exploitation agricole sur la roche de Glun. J'ai 5 hectares de vignes en gros hermitage rouge uniquement. J'ai une trentaine d'hectares de céréales et j'ai un verger d'arbres fruitiers. En ce moment, on est au stade début véraison. Donc les raisins commencent à prendre de la couleur. Et c'est là où il faut commencer à attaquer l'éclaircissage des vignes. Alors pour éclaircir une cèpe, on éclaircit les raisins bien à l'intérieur et on préfère l'éclaircissage plutôt le matin que l'après-midi parce que justement dû aux fortes chaleurs l'après-midi qui abîme les raisins. Donc on choisit toujours les matins et les après-midi on fait autre chose comme boulot. Une cèpe de vigne, on effeuille en même temps côté nord, permettre d'aérer vachement la cèpe. Et pourquoi côté nord? C'est le soleil, c'est là où le soleil tape le moins la journée. Du coup, ça évite les brûlures sur les raisins. Donc on effeuille toujours côté nord, ou soleil levant, suivant le sens de la plantation des parcelles. Et là, pour éclaircir, on enlève bien ce qui est à l'intérieur. Là où le raisin est bien caché et on laisse à environ 6 à 7 grappes sur une cèpe.